Ok, tip top. Non, les autorisations n'ont pas été compliquées à obtenir. C'est-à-dire que le fait d'entrer dans un tel lieu, après avoir fait un film comme La Forteresse, qui a ouvert le débat sur l'asile, si vous voulez, le centre de Framboy, il y a 30 centres en Suisse, à peu près un par canton de détention administrative. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment. La détention administrative est très différente de la détention pénale. Ce sont des lieux qui sont destinés à garantir un renvoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on attrape, qu'on veut expulser pour être sûr qu'on va pouvoir les expulser, on les garde là-dedans. C'est une loi qui a été votée démocratiquement en 95 et qui, successivement avec les restrictions de loi sur l'asile, ont été la durée a été prolongée. Aujourd'hui, on peut détenir à partir de l'âge de 15 ans une personne pendant 2 ans uniquement parce qu'elle n'a pas de papier. Et on dit souvent, si elles partent, elles peuvent partir tout de suite. Parce qu'en fait, si on vous arrête et que vous êtes là, si vous voulez partir, on va tout de suite vous libérer. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas partir. Parce que pour partir dans un autre pays, dans son pays d'origine, il faut des accords de réadmission. Et très souvent, c'est très compliqué d'avoir des accords de réadmission. Pour les pays africains, par exemple, pour certains États très corrompus, l'ODM doit négocier, doit payer, en fait. Voilà, il y a cette part de négociation. Et d'autre part, il y a certaines personnes qu'on voit dans le film qui ne peuvent pas rentrer parce que les personnes sont en danger dans leur pays. Et on dit souvent, ce sont des gens qui abusent l'asile, ils racontent des mensonges et tout. Aujourd'hui, il y a une étude interne, un document interne de l'ODM, l'Office fédéral d'immigration, et dans cette enquête, 4 fonctionnaires sur 5 disent que les décisions qui sont prises sur les demandes d'asile ne sont pas faites sur des faits établis. Ce sont des décisions qui peuvent être fausses. C'est très grave, hein? On ne parle pas de révision d'impôts, puis les gens vont payer plus ou moins d'argent. On parle de vies humaines qui sont en danger, qui viennent demander une protection, et des décisions doivent être prises, et qui vont avoir des conséquences directes sur la vie et sur la sécurité de ces gens. Donc, dans le contexte général, on est dans cette situation qui est extrêmement grave. Donc, pour revenir à la prison puis les autorisations, il y a une trentaine de centres, et chaque centre en Suisse dépend des cantons. Donc pour rentrer là-dedans, il faut demander à un canton. Il se trouve que celui de Framboy, qui est un cas très particulier, parce qu'en fait, les cantons romands, Genève, Vaud et Neuchâtel ne voulaient pas appliquer les mesures de contrainte. Enfin, ne voulaient pas. N'avaient pas envie, laissaient traîner, n'appliquaient pas cette forme de. Il faut savoir aujourd'hui que le Jura est un canton qui n'a jamais appliqué les mesures de contrainte. Ils ne veulent pas rentrer en matière là-dessus. Alors qu'ils ont normalement une loi fédérale qui les oblige, hein, on fait partie d'une confédération, on doit appliquer une loi qui est cantonale dans l'application. Et dans la mauvaise conscience des cantons latins, ils se sont réunis, ils ont discuté, ils ont fait un concordat, c'est-à-dire une union, et dans ce concordat est né Framboy. Au début des années 2000, 5 ans après la décision de la loi, de l'application de la loi concrète, et ils ont réfléchi en se disant, et d'ailleurs c'est Madame Spoerry, conseillère d'État de l'époque, elle avait dit, quand elle a inauguré le lieu, elle a dit, nous avons ouvert un lieu qui est un paradoxe parce que nous enfermons des gens qui n'ont commis aucun crime. Voilà. Donc on doit trouver une solution un peu humaine à ce traitement-là. Voilà. Donc à partir de là, quand j'ai demandé l'autorisation, les cantons m'ont dit, mais il n'y a pas de problème, vous avez fait un film qui était très objectif, qui parlait d'une institution qui accueillait les requérants d'asile. Là, pour nous, si vous restez objectif, donc j'avais cette carte de crédit pour entrer là-dedans. Et ce centre, pour moi, m'est apparu très intéressant parce que c'est le seul à pratiquer une approche sociale de la détention administrative. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on voit dans le film, et c'est ce qui dérange dans le film, parce que dans le fond, et je sais ce qu'on va me reprocher, et j'entends déjà les critiques, comme si on me les avait déjà dites, c'est que si j'avais été à Zurich, une autre prison, le Flughafengefängnis, c'est une prison qui est terrible. Quand je dis que c'est terrible, on peut la comparer à un petit Guantanamo. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Commission nationale contre la torture de la Confédération qui a fait des rapports alarmants sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est une commission européenne contre la torture qui dit que ce qui se passe à l'intérieur est très grave. Les personnes sont mises à l'isolement 23 heures sur 24, dans une détention administrative, hein, sont mis dans une torture psychologique d'isolement, où les gens deviennent fous, se suicident. C'est
je veux dire, dans un pays qui est dépositaire des conventions de Genève, on est dans quelque chose qui est totalement effarant, dont les gens ignorent, alors qu'il y a récemment des trucs. Et je veux dire, aujourd'hui, au niveau de la politique d'asile, il y a une telle chape de plomb que des choses aussi graves que ce qui se fait à Zurich ne sont pas prises sérieusement. Donc, si j'avais été dans cette prison à Zurich et que j'aurais filmé les gardiens, on aurait pu se dire, ces salauds de gardiens. Tu vois? On aurait pu dire, c'est à cause d'eux, parce que c'est dans ce système très répressif que un tel agissement peut se faire. À Framboise, on est perdu parce que les gardiens sont extrêmement sympathiques. Enfin, pas sympathiques, ils ont une approche sociale. C'est-à-dire que pour eux, tous ceux qui sont là-dedans ont choisi d'être là. Et ils ont dit, on préfère que ça soit nous, y compris le directeur, qui nous occupons de ces gens qui, de toute façon, vont être expulsés. On aimerait que ça se fasse de la meilleure manière possible. Et donc, pour moi, c'est extrêmement intéressant parce que, du coup, on ne peut pas accuser l'institution. Et on se rend compte que cette institution est le pur produit d'un choix démocratique, d'une application de la loi qui a été voulue par le peuple, mais qui aujourd'hui, avec le discours populiste de la droite et de la droite réactionnaire, nous fait croire que ces centres contiennent des criminels dangereux. C'est absolument pas, c'est faux. Ce sont des gens qui n'ont, le seul crime qu'ils ont, c'est d'avoir pas de papier. Les criminels dangereux, ceux qui sont enfermés pendant des années, quand ils sortent de la prison, on les met dans un fourgon, on les expulse. Ils ne passent pas par ces centres de détention administrative. On ne va pas se cacher, dans ces centres de détention administrative, il y a des petits délinquants. Pas beaucoup, hein. Enfin, il y en a, mais si vous voulez, il y en a. Mais ce sont des gens qui ont, par exemple, 3 mois, 6 mois de condamnation pour violation sur les stupéfiants, des choses comme ça et tout. Mais c'est des gens qui ont payé leur dette à la société. On ne va pas là-dedans pour être payé une dette pénale. On va juste là pour se faire expulser. Donc, on se retrouve dans ce lieu où le personnel va accompagner ces gens, puis on est très mal à l'aise parce que dans le fond, on est renvoyé à une responsabilité collective. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cet endroit, pourquoi j'ai obtenu. Pour vous parler de l'autorisation qui a été très problématique, c'est que les cantons ont dit oui, la Confédération a dit non. L'ODM, l'Office fédéral d'immigration, j'aurais demandé l'autorisation qu'ils m'avaient donnée sur la forteresse. La forteresse aujourd'hui est un film institutionnel de l'ODM. Ils l'utilisent comme carte de visite. Donc on a plutôt des bons rapports. Pour ce film-là, ils ne m'ont pas répondu. Premièrement, j'ai insisté, on n'est pas en Corée du Nord, hein, j'ai demandé une réponse, même s'ils ne veulent pas. En insistant, même pas par écrit, par téléphone, ils m'ont dit, nous ne pouvons pas vous donner l'autorisation parce que nous avons le devoir de protéger les personnes, on n'a pas le droit de filmer les personnes dans une situation humiliante ou dégradante. Voilà, on n'a pas le droit. Et en fait, cette histoire, c'est depuis l'affaire Kadhafi, si vous en souvenez, le fils Kadhafi, la police avait transmis des photos du fils Kadhafi avec des menottes. Et il y avait eu un très grand scandale diplomatique, les otages, et depuis les polices, alors sous ce prétexte-là, ils m'ont dit, puis je leur ai dit, mais alors ça veut dire que vous reconnaissez que vous humiliez, vous dégradez des gens, enfin, c'est grave, hein, mais par contre, on ne peut pas les filmer. À partir de là, la communication s'est arrêtée avec l'ODM, d'autant plus qu'ils ont mis des bâtons dans les roues dans le tournage lui-même, en fait, dans la réalisation du Ils tournage, ont réussi à à faire quelque détourner des chose. vols. À un vol qui était à Genève, on avait filmé le vol à Genève parce que leur autorisation, c'était pour filmer le dernier moment où on attache les gens. Parce que c'est eux qui s'occupent de ça. Les cantons gèrent la détention, l'ODM s'occupe de l'organisation de l'expulsion, le moment qu'on ne voit pas dans le film. Et on a tout fait pour. Et ils ont réussi. Mais dans le fond, pour moi, ce n'est pas grave parce que l'essentiel est là dans le film. L'absurdité et l'injustice d'une telle loi. Ok, tip top. Oui, parce que comme vous me dites, une loi voulue par le peuple, aujourd'hui, la démocratie, la Suisse est un pays exemplaire dans sa démocratie, unique au monde, démocratie directe. Le plus petit des citoyens, le citoyen lambda, a un accès à la plus haute marche du pouvoir, c'est-à-dire avoir une influence directe sur le pouvoir, ce qui n'existe dans aucun pays dans le monde, à part quelques tribus au fin fond de l'Amazonie. Mais je veux dire, on est dans là. Par contre, c'est une démocratie qui est extrêmement fragile et dans un pays qui a une confiance dans les institutions démocratiques, un parti depuis quelques années s'est imposé avec un discours populiste et ment. Truc
donne des fausses informations, représente l'étranger sous forme de rats dans cet essaim, sous forme d'animaux, et les gens sont complètement éloignés d'une réalité, d'une implication. Ils ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, je schématise, mais quand on vote une nouvelle loi sur l'asile ou sur les étrangers, c'est pour se débarrasser de rats. Et là, dans ce film, je montre simplement que ce sont des familles, ce sont des pères, ce sont des enfants qui vivent des situations terribles. Je veux dire, qui vivent des situations terribles. Et je crois, vous savez, moi, je suis... Les partis populistes défendent une valeur patriotique. Hein. La Suisse, il faut qu'on retrouve la maison suisse. Moi, je suis un jeune naturalisé. Je suis espagnol d'origine, mes parents étaient saisonniers. Je suis un patriote. Parce que ça a été une très longue réflexion pour que je devienne suisse. Et quand j'ai prêté serment, avant de prêter serment, j'ai lu toute la Constitution suisse. Et le premier article de la Constitution, mis à part qu'on est sous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, c'est qu'on met en avant des valeurs de solidarité. Voilà. C'est aujourd'hui des valeurs que moi je défends en tant que jeune confédéré. C'est des valeurs que je défends aujourd'hui très fortement et qui, à travers 15 ans de lamination du droit d'asile, c'est une notion qui s'est complètement liquéfiée, en fait, qui aujourd'hui... Vous savez, c'est extrêmement grave. Quand j'ai présenté la forteresse dans les écoles, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de présentations, le requérant d'asile, c'est synonyme... Quand je dis « Vous savez ce que c'est un requérant d'asile ?» Les gens lèvent la main, il y en a un qui me dit « Délinquant, dealer de drogue, voleur. » Je dis « Ok, qu'est-ce que c'est l'asile ?» On me dit, schématiquement, c'est une forme d'abus social. Aujourd'hui, dans la population, le message a passé, dans la jeunesse, le message a passé, l'asile est une forme d'abus social. Donc voilà, c'est pour ça que d'un coup, je me suis dit, dans mon travail de documentariste, je ne fais pas un travail de militant, mais il est très important de donner une autre vision, juste de donner un autre point de vue sur cette réalité. Ok, tip top. Moi, je vous permets, vous savez, on accuse souvent, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, on accuse souvent l'UDC de tous les maux. C'est à cause d'eux. On a une responsabilité collective. Nous sommes une démocratie où chacun peut voter ce qu'il veut. Moi, j'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, après 30 ans d'un département qui a été tenu par la droite, département de justice et police, pendant 31 ans, c'était la droite. Nous avons une ministre socialiste. Et on s'est dit, il va y avoir un peu d'air, un peu d'assouplissement. Sous prétexte de ne pas laisser de terrain à la droite populiste, aujourd'hui, les socialistes, la ministre, réalisent les fantasmes les plus fous de l'UDC. Elle va soumettre au Parlement des projets de loi que même l'UDC n'avait pas rêvé. Il faut savoir que tout prochainement, le Parlement va voter une loi de transparence des fichiers. C'est-à-dire, c'est très important, c'est-à-dire qu'on va concrètement... il va y avoir une loi qui va demander, qui va obliger les maîtres d'école à dénoncer les enfants qui sont sans papier. La dernière fois qu'on a demandé à des maîtres d'école de dénoncer des enfants parce qu'ils étaient différents, c'est sous la France de Vichy, et c'était Pétain qui l'a demandé via l'éducation nationale, et c'est ce qui a conduit au rafle du Veldive. Aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, en Suisse, on a 150 000 sans-papiers. Alors, contrairement aux idées reçues, à ce qu'on voudrait nous prétendre, ce n'est pas 150 000 dealers de cocaïne. Ce sont des gens qui travaillent, qui ont des familles, qui payent des impôts. On dit, comment on fait pour payer des impôts? Parce qu'il y a un cloisonnement, un hermétisme des fichiers qui cotisent à l'AVS. Aujourd'hui, le département de justice et de police demande à l'AVS de livrer les fichiers de gens qui cotisent depuis des années à l'AVS pour pouvoir les expulser. Je veux dire, dans quel pays on vit aujourd'hui? Je veux dire, c'est extrêmement grave. Et ce n'est pas l'UDC, on dit toujours que c'est l'UDC. C'est une ministre socialiste. Je crois qu'aujourd'hui, la Suisse, dans sa tradition humanitaire, dans ce qui a fait ses valeurs fondamentales, doit avoir un sursaut de conscience. Je veux dire, et ce n'est pas être un anarchiste qui veut poser des bombes, qui peut tenir ce genre de discours. C'est juste un réveil citoyen. Ok, tip top. Moi, idéalement, j'aurais pas voulu de suite à la forteresse. Et je n'avais pas imaginé de suite à la forteresse.
J'avais fait ce film, j'avais envie, moi en tant qu'ancien clandestin, mes parents quand ils sont venus comme saisonniers ici, ma sœur et moi quand on les accompagnait, le statut de saisonnier ne permettait pas de venir avec les enfants. Ok, tip top. Et je ne voulais pas de suite de la forteresse, mais il se trouve que quand j'ai présenté à Locarno la forteresse il y a 3 ans, qui était en compétition ici au Cinéaste du présent, un des principaux personnages de la forteresse, qui est Fahad, un traducteur irakien, s'était fait expulser par vol spécial en Suède. Ce que je raconte aujourd'hui dans le film. À l'époque, ça ne s'appelait même pas vol spécial. Voilà. Simplement, on l'avait pris et on l'avait expulsé. Donc moi, j'ai été ici, puis j'ai dit, voilà, je présente ce film, mais sachez qu'une des personnes, elle a déjà été expulsée. C'est quelque chose qui m'a profondément choqué. Et quelques semaines auparavant, avant que le film soit diffusé ici, cette personne, quand elle s'est fait arrêter, j'ai été la voir dans une prison, puis je dis, mais qu'est-ce que tu as fait, Fahad? Tu as fait un crime, qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, non, on m'a arrêté dans la rue, j'avais pas de papier. Et donc, je suis arrivé à Frambois. Puis je dis, mais je ne savais même pas. Je veux dire, moi, je suis concerné par toute la question d'asile. Je ne connaissais pas la détention administrative. Je suis revenu régulièrement le voir, il s'est fait expulser, et j'ai continué à aller visiter son endroit. Puis je me suis dit, mais c'est pas possible. Puis d'un coup, j'ai découvert qu'il n'y en avait pas un. Je pensais que c'était celui de Suisse, cet endroit. J'ai vu qu'il y en avait 30. J'ai découvert qu'il y avait 6800 personnes en 2008 qui ont été détenues, qui ont été faites prisonnières de cette manière-là, sans avoir commis aucun crime. Puis je me suis dit, mais on est en Suisse. Il n'y a qu'en Suisse qui existe ça. Non, en Europe, il y a 300 camps de ce type-là. Ok, tip top. C'est-à-dire au moment où j'ai pu rentrer dans la prison et le directeur a vraiment collaboré, j'ai eu aucun problème en fait à l'intérieur. Il faut savoir qu'avant de tourner, je suis resté 6 mois dans la prison. Sans tourner, mais j'ai fait des photos. J'ai fait énormément de photos et en plus j'ai fait des photos dont je tirais des portraits. J'aime beaucoup faire de la photo. Je donnais les photos aux détenus et ils envoyaient ces photos vers leur pays d'origine. Donc, à partir de là, une confiance s'est nouée. Ok, tip top. Si vous voulez, pour convaincre les gens de participer au film, parce que ce qui est très important dans mon cinéma, c'est que je ne fais pas de masquage. Mm-hmm. Aujourd'hui, la plupart des documentaires, moi je fais du cinéma, on a besoin de voir des visages, on a besoin de voir des paroles, donc c'est quelque chose qui doit toujours être présent. Comme, et pour moi, c'est très important que les personnes... Vous savez, à force de masquer les gens, chaque fois qu'on fait aujourd'hui à la télévision, on parle de requérants d'asile. La télévision, pour ne pas avoir de problème, parce qu'ils doivent, ils n'ont pas le temps de demander des autorisations, ils masquent les visages. Et masquer les visages, au bout d'un moment, on a l'impression que ces gens ont quelque chose à cacher. Donc on a l'impression que c'est des criminels, dans le fond. Parce que qui on masque les criminels là-dedans. Donc, si vous voulez, quand j'ai demandé aux détenus, est-ce que je peux vous filmer? Les détenus ont tout de suite répondu en disant, on sait que ça ne va rien changer pour nous. On sait que ça ne va pas nous libérer. Mais par contre, parler de nous, parce qu'on est oublié du monde ici, les gens ne savent pas ce qui se passe. Les gens pensent qu'on est des moutons noirs, les gens ne savent pas qu'on a des familles, et ceux qui votent pour les lois doivent savoir qu'est-ce que ça veut dire, les lois. Donc, si vous voulez, les gens nous ont dit, mais venez, enfin, parlez de nous. Donc, si vous voulez, ça s'est vraiment facilité, parce qu'ils comprenaient vraiment que faire ce film, témoigner de cette situation-là, était extrêmement importante pour les autres qui allaient venir là-dedans. Ok, tip top. Mais c'est normal, c'est normal. Les gens qui sont venus ici, il ne faut pas oublier, on oublie que les gens qui sont venus ici sont des personnes qui sont en danger, ça a été très difficile de venir ici, et on voudrait que quand on les rencontre, ils se livrent tout de suite à nous. En plus, ils savent que c'est des gens, vous imaginez, je filme moi des sans-papiers qui sont des gens qui sont, au moment si on voit leur image, on va les expulser. Je veux dire, c'est ça aussi, cette réalité-là. Et moi, c'est pour ça que pour moi, l'approche de mon cinéma, un des principaux ingrédients est le temps. Et j'ai fait 6 mois d'approche. Avant de tourner, j'ai été tous les jours pendant 6 mois. 6 mois, ça fait beaucoup de jours, hein, ça fait 180 jours. Où j'ai été les voir, on a discuté et on est devenus des amis. Au bout d'un moment, on est devenus des... Et pardon, même maintenant que j'ai terminé le film, j'ai gardé contact avec tous les gens qui ont été expulsés. J'ai été les voir dans leur pays, j'ai été rencontrer leur famille et je continue maintenant à tourner ce que ces personnes sont devenues une année après. J'étais au Cameroun, j'étais en Gambie, j'étais au Kosovo, je vais aller à Kinshasa, j'ai découvert des choses terribles. Une des personnes dans le film,
dit, si on me renvoie dans mon pays, ma vie est en danger. Ici, l'UDC, ils disent, ils rient, ils disent, tous ces gens, c'est des menteurs. On a été au Cameroun, quand la personne a été expulsée, Jordri, il s'est fait emprisonner. Il s'est fait torturer pendant 5 mois. Il s'est fait libérer pendant 1 semaine parce que la technique camerounaise, on vous met en prison, on vous torture, on vous libère. C'est une ville qui est tellement fiquée, vous ne pouvez pas partir. Les gens le voient, ils disent, c'est horrible, ils le reprennent, ils le mettent dedans, ils continuent à le torturer. Voilà, c'est une technique de terrorisme à l'intérieur de l'État. Ouais. Vous savez comment cette personne, pourquoi cette personne s'est fait arrêter au Cameroun ? Parce que les autorités camerounaises ont obtenu les documents officiels de demande d'asile, qui, selon les conventions de Genève, sont des documents ultra confidentiels parce qu'elles mettent en danger la personne. Évidemment, quand on demande l'asile, on dit « lui est un détenu politique, enfin un requérant politique ». Et aujourd'hui, c'est extrêmement grave. Alors moi, je ne sais pas qui a transmis ça, je ne peux pas dire que c'est l'ODM ou quoi que ce soit, mais ce sont des documents officiels de l'ODM qui ont été transmis aux autorités. On est dans une situation extrêmement grave parce que non seulement il n'a pas obtenu l'asile, il n'a pas obtenu une protection qu'il devait avoir, mais en plus, notre pays n'a pas su gérer des dossiers et il y a eu des fuites. Et on l'avait entendu, ce n'est pas un cas unique, on l'a entendu plusieurs fois, mais on n'est jamais arrivé à le prouver. Et là, moi, j'ai ramené les décisions de tribunal. C'est extrêmement grave parce qu'on a obtenu, vous savez, comme je l'ai dit au début de l'interview, pour expulser quelqu'un, il faut un accord de réadmission. L'accord de réadmission était faux. Donc lui est accusé d'être rentré faux, alors que cet accord de réadmission a été demandé par l'Office fédéral d'immigration à l'ambassade du Cameroun, qui a fait un faux. Allez donc savoir pourquoi. Moi, je vois la logique. Comme on est dans des situations d'État assez corrompues, et qu'on sait que ce sont des négociations sous la table, rien n'a jamais été prouvé jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir avoir des explications sur pourquoi les autorités camerounaises au Cameroun estiment que ce document est un faux. Je veux dire, on est dans une situation complètement... oui, mais paradoxale, exactement, oui. Ok, tip top. Mais non, parce que ce qu'il y a 3 ans, aujourd'hui, c'est pire. La situation s'est encore plus dégradée. On est allé encore plus loin. Quand je vous ai cité l'exemple de la ministre socialiste, il y a 3 ans, on n'en aurait même pas osé en parler. Aujourd'hui, la ministre socialiste propose, entre autres, mais je crois que c'est quelque chose qui est maintenant, de supprimer les demandes à l'ambassade. C'est-à-dire que quand quelqu'un est persécuté dans un pays, il y a la possibilité, parce que tout le monde ne peut pas voyager, d'aller dans une ambassade, frapper à la porte, dire « sauvez-moi ». Aujourd'hui, c'est une des bases des conventions de Genève, qui est là pour protéger les gens qui sont persécutés ou qui fuient des guerres. Et aujourd'hui, on demande de supprimer cette possibilité-là. Donc, on ne peut pas dire que mon film La Forteresse, il fait beaucoup changer les choses. Mais par contre, il ne faut pas oublier, moi, je suis pas un politicien. Je suis un cinéaste documentaire qui documente, qui est témoin de son temps. Voilà. Je choisis des sujets qui sont particuliers, mais comme n'importe quel documentariste, moi, je ne suis pas là pour changer les lois. Comme je ne demande pas à une ministre socialiste de faire des films. Moi, je propose, je regarde les choses. J'essaye d'utiliser tout mon art pour pouvoir dénoncer une situation. Mais à partir de là, ce n'est pas moi qui peux changer les choses. D'autant plus que je ne fais pas un cinéma militant. Je fais un cinéma engagé. Un cinéma militant, c'est un cinéma qui va dire « Regardez, 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 c'est la faute de l'UDC, ne votez pas UDC. » Moi, je ne dis pas ça. Moi, je crois dans la démocratie. Je crois dans le citoyen. Et je crois dans le bon sens parce que ce pays est construit sur du bon sens, voilà. Un bon sens qui est paysan, qui a des racines, qui sont ancrées très profondément. Aujourd'hui, il y a une élite cosmopolite, une élite à Zurich. Moi, je vous parle juste d'un monde où on trouve que c'est normal que, par exemple, ce festival aujourd'hui de Locarno est sponsorisé, un des principaux sponsors, c'est une grande banque suisse. Cette grande banque suisse finance en grande partie les campagnes de l'UDC. Voilà, pour une question d'image. Je veux dire, où en est-on ? Les grandes banques suisses vont en Afrique et se font des fortunes en investissant dans le pétrole, dans le truc, dans des États corrompus, à la solde de multinationales.
dont nous en tirons un profit direct très substantiel. Ces mêmes banques, ici, financent des campagnes haineuses tout simplement pour qu'on détourne notre attention du vrai problème, qui est le rapport Nord-Sud. Aujourd'hui, on accuse 3 petits trafiquants, 2 petites personnes, mais qui sont au bout du rouleau, qu'on pousse à la délinquance. On n'est pas délinquant. Les personnes qui viennent ici, qui demandent l'asile, ne demandent qu'une chose, c'est de travailler, d'avoir une dignité, comme ça tout. On leur prive des assurances sociales. On les prive, on les met dans la précarité, donc on les pousse dans la délinquance. Après, on peut monter une campagne haineuse sur eux, on en fait des boucs émissaires financés par des grands groupes financiers qui permettent d'endormir la conscience populaire, la conscience d'État. Et à partir de là, on a une espèce d'économie de marché qui est idéale au niveau de trucs. Quelle hypocrisie aujourd'hui quand notre présidente va dans la Corne de l'Afrique dire on ne peut pas accepter cette famine aujourd'hui, une des pires famines qui est en train de se dérouler en Somalie, dit c'est incroyable cette famine, alors qu'à Genève, la place financière de Genève est le principal lieu des négociations des denrées alimentaires, et aujourd'hui la famine est due, oui, à des sécheresses, mais principalement parce qu'aujourd'hui le prix des matières premières d'alimentation ont été triplés, parce que les traders à Genève, qui avaient besoin, après la bulle immobilière, de retrouver un nouveau marché d'échange, faire du trading sur les matières premières, c'est bien parce qu'on assure, par exemple, des récoltes. On achète à l'avance un paysan une récolte, lui peut investir, et c'est un jeu parce que la récolte soit bonne ou mauvaise, il aura l'argent. Donc c'est quelque chose, c'est normal, je critique pas ça. Aujourd'hui, des traders à Genève, des banques privées genevoises, jouent, s'échangent les récoltes, enfin jouent là-dessus les prix. Et aujourd'hui, la famine est une conséquence directe de l'inconscience de banquiers privés à Genève qui se régalent, qui se goinfrent sur la misère du tiers-monde. Et notre ministre socialiste, notre présidente socialiste, elle aussi, je veux dire, elle est au sommet de l'État. On devrait simplement avoir cette conscience-là. Je veux dire, on doit savoir ça.